Présentation de Window Blend. Voilà. Donc c'est qu'est-ce que c'est? C'est un petit logiciel pour customiser un peu l'apparence des fenêtres, etc., etc. Donc là, je suis sur le site officiel. Voilà. Hop. Ici, vous avez 30 jours gratuits. Voilà. Donc je pense que c'est 30 jours gratuits pour la version complète. Et après, vous serez limité donc à ici. Ce qui est là. Donc d'ici à là, pendant 30 jours, vous avez tout. Et après, au-delà de 30 jours, vous ne pouvez avoir que ici. Voilà. De cette partie-là, voilà. Tout ceci, le reste en bas, vous ne l'avez plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc je ne l'ai pas testé, hein. J'ai vu ça comme ça sur Internet. Voilà. Les prix sont là. Ici, gratuit, free. Ensuite, c'est 10 euros et 50 euros. Voilà. Bon. Pourquoi pas, après, je vais pas polémiquer sur les prix. Donc, hop, si je retourne en arrière. Donc, nous sommes là, voilà. Ça modifie l'apparence des fenêtres, etc., etc. Vous avez ici plein de captures d'écran, voilà. J'en prends une au hasard. Voilà. Ça modifie un peu, voilà. Vous vous retrouvez avec des fenêtres comme ça, voilà. Ça modifie l'apparence des fenêtres, voilà. Vous pouvez modifier même ici les boutons en bas. Bon, ça a l'air pas mal hein, quand même. Alors je l'ai scanné avec Avast, il me dit qu'il n'y a rien. Ok, pourquoi pas. Donc si je reviens en arrière, hop, je vais retourner. Si je prends celui-ci par exemple. Alors ça fonctionne apparemment sur Windows 7 aussi. Voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre un peu l'apparence, la barre ici de lancement rapide, la barre de tâche. Vous pouvez sur votre Windows 7 faire façon Windows 10. Voilà. Et vous pouvez aussi modifier les thèmes par défaut. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir dans la version gratuite. Il faut essayer. Donc je mettrai le lien dans la description. Je l'ai scanné, comme je vous dis avec Avast, il n'y a rien. Il est là, voilà, Windows Blend. Voilà, il n'y a absolument rien. Hop. Je vais le scanner ici aussi. Sait-on jamais? Peut-être qu'il y aurait un petit adware là-dedans. Bon, bah c'est clean apparemment. Voilà. Bah, donc avis aux amateurs. Moi, je vais sûrement essayer pour voir. Et puis bah éventuellement je vous dirai ce que j'en pense. Mais ça peut être intéressant, vous voyez, parce que c'est vrai que des fois, on aime bien changer un petit peu l'apparence. Voyez là, c'est un Windows 7, mais on a modifié ici la barre, ici en bas. La barre des tâches. Maintenant, c'est devenu Windows 10. Apparence. Voilà. Donc, bah, je vous mettrai le lien dans la description.